C'est au sein du foyer d'accueil spécialisé de Montbonvillers, qui accueille des adultes en situation de handicap reconnus à plus de 80% d'incapacité, qu'a été créée en 2016 l'association Vue sous un autre angle. Celle-ci a pour but de promouvoir toute action autour de l'art, de la culture et du social. Vue sous un autre angle, dans le domaine culturel et artistique, propose d'œuvrer dans les domaines tels que le cinéma, le théâtre et l'art plastique. On pourrait imaginer aussi toute autre forme d'art. Par contre, dans Vue sous un autre angle, il y a aussi un volet social qui est développé. Notamment, par exemple, c'est ce qui nous a permis ici d'accompagner les personnes en situation de handicap dans un domaine cinématographique à jouer pour leur donner plus de confiance en eux et visant à les rendre plus autonomes. Dans le cadre de ces actions et pour réduire le fossé entre le monde des valides et du handicap, l'association décide de réaliser un premier projet d'ampleur à travers un film fiction de 80 minutes qui est une véritable peinture sociale d'aujourd'hui. Les thèmes abordés dans le film sont nombreux. Il y a les enfants en foyer, les personnes sans domicile fixe, les gens du voyage et bien d'autres encore. Au-delà du contenu, ce film, écrit et réalisé par 10 adultes en situation de handicap accompagnés de bénévoles, d'étudiants et de différentes structures sociales, a pour objectif premier de donner confiance et de valoriser les usagers ainsi que de mettre en avant tout l'éventail de leurs capacités. Nous avons participé à toutes les étapes du film, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la diffusion. C'était aussi de bons moments de partage. J'ai adoré le train. Les usagers interviennent sur toutes les étapes du film, ce qui crée régulièrement des situations émotionnelles très fortes parmi les participants. De plus, l'ampleur du projet permet de mobiliser l'ensemble des intervenants pendant de nombreux mois. Les fonds ACEF nous ont permis d'acheter une caméra. Sans cela, ça n'aurait pas été possible de réaliser le film. Donc nous vous remercions. Se joignent à ces remerciements tous les usagers, la structure du FAS en elle-même et les adhérents de Vue sous un autre angle. Merci beaucoup. Le film sortira dans les salles et dans les festivals de la région à partir du premier trimestre 2018. Nul doute que cette fiction devrait rencontrer un franc succès. C'est déjà une réussite dans son approche sociale.